biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Tu cherches des crédits FUT? Je te conseille de check le lien dans la description. Avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transaction disponibles. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez tous très très bien. Mais écoutez, moi ça va impeccable et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'appli web. Ça y est, elle est disponible un petit peu en avance et du coup j'en profite pour ouvrir mes packs de démarrage pour vous montrer et puis pour qu'on regarde un petit peu cette appli, l'interface, tout ça, histoire de... Donc là c'est le pack de démarrage, donc le pack où les joueurs sont invendables, donc ça c'est un pack pas très intéressant. Il me semble qu'il y a des packs offerts, des petits packs genre avec un élément or, donc on va aller ouvrir tout ça et en même temps on va regarder voilà l'appli, comment elle fonctionne tout simplement. Voir s'il y a des nouveautés, voir un petit peu l'interface. Donc on a un pack offert, on va l'ouvrir ensemble. C'est une vidéo vraiment très courte, je sais, mais c'est aussi une vidéo annonce parce que ce soir on va ouvrir des packs et je vous uploaderai un pack opening soit ce soir assez tard, soit demain. Donc ça dépendra de l'heure qui sera, mais j'ai vraiment envie de packer pour la sortie de cette Team of the Week avec Ronaldo. Donc là on a obtient un pack offert qui est pas terrible, avec du Castagnos, du Simon, du Borini, du Torico, des joueurs vraiment pas très connus, Santos, Argent Brésil, c'est pas extraordinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense qu'on va tout jeter, parce que ça doit pas valoir grand chose. Je vais les assigner automatiquement dans un premier temps, et je pense que je vais quand même les mettre en vente, parce que c'est le début de chute. Donc on va regarder un petit peu cette appli. Donc comme vous pouvez le voir, une nouvelle petite interface, avec notamment de nouveaux onglets, donc à voir, hein, je ne vais pas cliquer dessus parce que ça risque de faire planter mon appli vu que c'est le début. Équipe bien sûr, donc boutique avec les packs, donc l'interface des packs, voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. À mon avis on va être bien cette année. J'ai fait un petit peu d'achat-vente sur mon compte principal, j'ai 27 000 crédits, franchement j'ai envie de les craquer en pack. Mais je vais voir si ce soir on peut utiliser des points FIFA. Je vais plutôt utiliser des points FIFA pour pouvoir ouvrir des packs et les convertir en crédit pour pouvoir bâtir notre première équipe. Donc ça sera vraiment intéressant. On va regarder un petit peu le marché des transferts et directement les gars, bien sûr, on va regarder la D1 brésilienne, le championnat qui nous intéresse. Même si bon, tous les championnats nous intéressent, mais celui-là c'est quand même particulier. C'est un championnat qui nous a quitté pendant un an et qui est de retour. Avec vraiment des joueurs intéressants, regardez lui, il a l'air pas mal. Après, j'ai vu qu'apparemment, il n'y avait pas de Ronaldinho, ni de Jadson, ni de Wallison, des joueurs qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est un oubli d'IA ou si c'est des joueurs qui seront disponibles plus tard via une mise à jour. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bon, moi, ce que je vous conseille d'entrée, si vous êtes vraiment en galère de crédit, c'est de faire de l'achat-vente sur des petits joueurs brésiliens. Regardez par exemple, là on va faire ça très vite, vous mettez 400 en filtre, vous mettez qualité argent, voire même bronze, il n'y en a peut-être pas beaucoup hein, en championnat brésilien, mais vous mettez argent, et ce que vous faites, c'est que vous allez à 59e, après ça c'est une technique que bon nombre d'entre vous doivent connaître, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas et qui galèrent, hein, si vous voulez vous faire une petite base de crédit, vous regardez les joueurs du championnat brésilien, et par exemple lui, t'essayes de le choper à 300-400 et tu peux le revendre 600. C'est un exemple, hein. Après, bien sûr, c'est pas non plus une différence de ouf sur les crédits. Mais bon, faut un début à tout. Bien regarder et surtout ne pas dépasser l'heure parce que je crois que ça actualise plus. Donc n'hésitez pas, les gars, à faire cette technique. Après, il y a d'autres championnats, hein, la BPL notamment, qui est vraiment le championnat le plus vu. Et du coup, forcément, qui dit championnat plus vu dit joueur acheté en masse. Donc vous pouvez aussi regarder sur la BPL. Je sais très bien qu'il y a des joueurs à plus de 80 de vitesse. Si vous les chopez à moins de 400, ça peut partir direct. Donc n'hésitez pas à regarder. Là, c'est un petit exemple. Après, bien sûr, ça ne peut pas tomber tout le temps. Mais quand ça tombe, c'est intéressant. Et je vous conseille vraiment de guetter tout ça. Et puis voilà, donc mon club, leaderboard, donc ça... On va regarder un petit peu le top 100 au niveau des transferts. Apparemment, c'est énorme. T'as déjà des mecs au million. Donc ça, c'est assez abusé. Ouais, putain, c'est un truc de dingue. Il y a déjà des mecs au million. Anderson Gibb, youtubeur que j'apprécie vraiment.
un de mes youtubeurs anglais préférés, qui est vraiment ouf. Je vous conseille de check sa chaîne. C'est simple, vous tapez ça sans espace. Et vous allez voir, il est vraiment très très bon. Un mec qui ouvre des packs, qui a une chance énorme. Après des joueurs, bon, ça doit être sûrement des mecs qui ont, à mon avis, réussi à je pense, packer avec des points FIFA, qui ont dû avoir le jeu avant, parce que c'est pas possible d'être déjà à 1 million de bénéfices, c'est impossible. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les valeurs des matchs. Donc, déjà 42 000 crédits, ouais, pas l'ombre d'un doute. Ça, en fait, si vous voulez, ce classement, c'est le taux de crédit en match. Donc, déjà 42 000, le mec a passé ses journées à jouer. C'est chaud, franchement c'est chaud. Après c'est que le jeu est sorti, donc je pense qu'il est disponible sur la console. Donc là, une assignette, donc ça, ce sont quand vous achetez des cartes, que vous les assignez pas tout simplement. Et puis voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je sais, c'est très court. Ça nous a permis ensemble de voir un petit peu l'appli, l'interface, tout ça. Et puis voilà les gars, moi je vous retrouve demain pour un pack opening. Allez, ciao tout le monde.